La salade frites piquant. Une histoire de Philippe Yvet, illustration François Laude. Ce jour-là, Piquant le Tang eut l'idée de confectionner une salade de fruits pour le dessert du dimanche de la semaine suivante. Il aurait bien aimé que ses amis viennent avec lui pour choisir et cueillir les fruits dont il avait besoin. Aussi, dès le lundi matin, Piquant, son bertel sur le dos, se rendit chez Léon, son ami le caméléon. Bonjour Léon, je viens un sapin pour choisir des noix de coco. Peux-tu m'accompagner? Non, pas aujourd'hui, il fait trop chaud. Je vais faire un long sur mes papilles. Alors tant pis, je vais choisir mes cocos tout seul. Le mardi matin, Piquant, son bertel sur le dos, se rendit chez Plume Blanche, son ami le paille en queue. Bonjour Plume Blanche, je vais à Saladier pour cueillir des bananes. Peux-tu m'accompagner? Excuse-moi, mais il y a trop de faim ce matin et je suis fatiguée. Alors tant pis, j'irai cueillir des bananes tout seul. Le mercredi matin, Piquant, son bertel sur le dos, se rendit chez Maya, son ami le margouillat. Bonjour Maya, je vais à Sainte-Marie pour sortir des ananas. Peux-tu m'accompagner? Pas question. Je veux faire une sieste au soleil, bien rocheux du mont Rocher. Alors tant pis, je vais choisir mes ananas tout seul. Le jeudi matin, Piquant, son bertel sur le dos, se rendit chez Babouk, son ami l'araignée. Bonjour Babouk, je vais à Saint-Benoît pour cueillir des laitues. Peux-tu m'accompagner? Désolé. Je dois terminer de tisser une toile pour mes petits. Alors tant pis, j'ai recueilli mes laitues tout seul. Le vendredi matin, Piquant, son bertel sur le dos, se rendit chez Tisserin, son ami le bélier. Bonjour Tisserin, je vais à Saint-Louis pour choisir des mangues. Peux-tu m'accompagner? Impossible! Le Tennessee Titan a détruit mon nid. Je dois le reconstruire. Alors tant pis, j'irai choisir mes mangues tout seul. Le samedi matin, Piquant, son bertel sur le dos, se rendit au bord de l'océan pour retrouver son ami Léo, le baleineau. Bonjour Léo, je vais à Saint-Philippe pour acheter de la vanille. Peux-tu m'accompagner? L'océan est trop fort et ma mère m'interdit de m'éloigner. Alors tant pis, j'irai acheter ma vanille tout seul. Le dimanche matin, quand Piquant eut enfin réuni tous les ingrédients, il s'installa dans sa cuisine. Il cassa les cocos, éplucha et découpa les bananes, les mangues et les ananas. Il mélangea le tout avec les litchis dans un grand saladier. Enfin, il ajouta deux gousses de vanille parfumée et une grande cuillère de sirop de canne à sucre. Une délicieuse odeur envahit la case. Elle alla chatouiller les narines de ses six amis. Ils arrivèrent. Piquant proposa.
Qui veut goûter ma salade de fruits? Moi! Dit Léon. Moi! S'exclama Plume Blanche. Moi! Déclara Maya. Moi! Reprit Babouk. Moi! Se réjouit Tisserin. Moi aussi! Cria Léo. J'ai choisi et cueilli tout seul les bananes, les cocos, les litchis, les mangues, les ananas et la vanille. Reprit Piquant. Eh bien, c'est tout seul que je dégusterai la salade de fruits. Et c'est ce qu'il fit devant les yeux ahuris de ses amis. Et l'histoire est terminée.